Bonjour YouTube. La suite de nos aventures sur Scarlet Nexus. Je commence le stream tard. Il est presque 22h. Il est presque 22h. Mais je suis déter et générique. Et oui, et il y a un animé de ce jeu, enfin il y a un manga, et j'ai appris ça aujourd'hui, qu'il y avait un manga de Scarlet Nexus. Ça doit être trop bien. Bref, nous reprenons, et d'ailleurs nous avons un épisode particulier à faire, car c'est un épisode qui va être fort en chocolat. C'est un épisode qui concerne les relations. Je ne sais pas si ça prendra toute la durée d'un épisode, il y a moyen en vrai, parce que j'avais beaucoup à faire, mais ils sont où ? Non mais il me l'a déjà dit ça. Eh oui, on a un gros épisode là. Oh, des fléchettes. Oh, vous la sentez la petite partie de fléchette là avec les potes? Oh, la partie de fléchette avec les potes, je suis trop chaud. J'espère qu'il y en a. Hein. Yuito, tu as quelqu'un qui parlait de tout ça, tu peux compter sur moi si tu veux. Très bien. Mais attends. Oui, voilà, elle est là. Alors par contre, j'avais des messages, on les a pas checkés, j'ai pas oublié. Muzubi, j'ai un message important pour vous. Bonjour, je suis Muzubi, la seule et l'unique propriétaire du meilleur endroit pour se détendre chez Muzubi. Désolé pour le message aussi soudain, il y a quelque chose que je dois absolument vous demander. J'ai demandé vos coordonnées à des connaissances, au secours. Une journaliste, une de mes clientes habituées, a disparu il y a une semaine. Son dernier message m'a fait très peur. J'ai un scoop, des infos confidentielles sur une organisation criminelle. Et maintenant, je suis traqué par un assassin. Elle m'a demandé que ces informations soient mises en sécurité si je n'avais plus de nouvelles d'elle pendant une semaine. Mais elle a aussi dit que ces données étaient dangereuses et de ne pas les donner à quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Elle les veut dans les mains de la BEA, alors voilà. Je ne veux pas entraîner un client fidèle là-dedans, mais pourriez-vous passer pour qu'on en discute. Je suis toujours chez Muzubi, alors appelez-moi en criant s'il le faut, code. Et l'autre, Wataru, qui me dit, tu connais Muzubi ? J'ai une information très intéressante à propos d'un endroit appelé Muzubi. Tu peux y manger et rester discuter. C'est un lieu original qui a gagné en popularité grâce au bouche à oreille. Un type de mon peloton m'en a parlé. Je t'enverrai les coordonnées plus tard. Tu devrais aller y faire un tour si tu as envie de faire une pause. Leur cuisine est délicieuse en plus. Et c'est pas avec elle en plus que je dois faire le truc de relation ? Gemma, attention à ne pas perdre de plus d'ampoules et personne ne doit savoir que vous en avez. Certaines personnes risquent de ne pas apprécier le fait que vous ayez gardé ces ampoules. Je le savais déjà, c'est Eran, Randall Industries, les laboratoires Spring, les gros bonnets de la BEA. Si toutes ces organisations sont impliquées, c'est qu'elles préparent quelque chose d'important. D'accord, je ferai attention de ne pas les casser, c'est pour ça que je les ai cachés dans Baki. Oui, mieux vaut être prudent. Alors, Arashi, qui me demande, j'aimerais te parler en personne, tu peux venir chez Muzubi? Oh, mais c'est The Place to Be, là-bas. J'imagine que tu as pris l'organisation de la BEA à l'académie, mais permets-moi de t'en dire plus.
La BEA est composée de deux régiments. Le premier est commandé par le major général Fubuki et le second, le nôtre, par le major général Karen. Chaque régiment comprend plusieurs compagnies et chaque compagnie plusieurs pelotons. On appartient à la première compagnie. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est tout pour l'instant. Ok. Alors, elle me demande ça. En fait, j'espère que je peux en faire plusieurs. Vas-y, on va aller voir Arashi d'abord. C'est rare d'avoir un message de ta part, Arashi. Je fais au plus vite. Ok. C'est parti pour les embrouilles.何があったんだ？嵐が俺に相談したいだなんて。まずはこれを見てもらえるかな。メニュー表？新メニュー祭り開催中。大盛りを時間内に食べきれば代金無料。さらにコーラ1ケースをプレゼント。待ってくれ。 まさか俺にチャレンジしろなんて。その通り、ユイトに食べてもらって私は商品のコーラをもらうというわけだ。もちろん食べきれなかった場合の代金は私が持つから、そこは心配しなくていい。相談ってこれか？食い切れる保証なんてないのに。 新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。ユイトの年齢なら食べ盛りだろ。いけるいける。でもほらここ見ろよ。よう予約だって。今からじゃ。心配する必要はない。すでに予約済みだからね。食わせる気満々じゃないか。 Demo, cancel sur le nom, mais c'est nos histoires, il y a le ici. Non, mais c'est bon, vas-y, fais péter le mini-jeu là. Wakata, yatte yaru. Kurushi. Sasuga Yuito, ii tabe puri datta yo. Watashi ga mikonda dake no koto wa aru. Toa ie, skoshi muri o sasete shimatta na. お詫びに次に会う時には好きなものをおごるよ。いや、食い物はもういい。そうだ。だったら今サスの調整をしてもらえないかな。サス？私が？嵐はこういうのが得意だって聞いたことがあるからさ。ダメかな。無理にとは言わないんだけど。 少し違和感があるような気がして。仕方ないか。君のおかげで私も利益を得たからな。利益ってコーラか。本当に好きなんだな。君の調整を断らない程度にはね。ではすぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな、無理言って。 別にいいさ。しかし、君は思ったよりもせっかちだな。サスの調整なんて後でじっくりやればいいだろう。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、なるべく早い方がいいと思ったんだ。もしもサスがうまく使えなかったら戦闘の時に問題だろ。みんなに迷惑がかかるのは嫌なんだよ。君、そこは最初に生存率 自分の命に関わると主張するものなんじゃないか。それではまるで自分の命は二の次とも聞こえてしまう。言われてみればそうだよな。無意識か。やれやれ、長生きのできないタイプがここにもいたとは。君はもっと肩の力を抜いてダラダラすべきだよ。少しはサボることを覚えるといい。 サボるってそんなこと。気負いすぎず手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息を取った方がトータルで作業効率は上がる。要するに私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。でもそうやって手を抜いている時に怪異に襲われたらどうするんだよ。
それで誰かが傷つくなんてことがあったら。はあ、真面目か君は。そんな性格で生きていて楽しいかね。仕方ないだろ、そういう性格なんだから。実は君のような人間をもう一人知っていてね。どちらも苦労人に生まれついて本当に気の毒だよ。俺のようなって誰のことだ。さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は終了しました。恐れ入りますが、また後日ご連絡ください。え、ああ早いな。ありがとう嵐。これで今回無理をさせた分は総裁だ。私も気兼ねなくコーラを楽しめる。それと君、苦労はほどほどにするといいよ。じゃあね。前に会った時も思ったけど、嵐って少し変わってるよな。 OK。 Je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas ce système de petits mini-jeux. Qu'il n'y ait pas ce petit système de mini-jeux quand, quand on fait des petites quêtes comme ça. Ça aurait été marrant. Putain, ça vaut pas de judgment. Hein. Bon, ben ça c'est fait. Et du coup, ben, ça a augmenté mon affinité avec Arashi. Dire que Naomi est. Désolé, je sais que c'est encore plus dur pour toi, Yuito. Ce ne sera pas facile, mais tu devrais te reposer. Cadeau. Et elle, c'est vraiment juste... Ah, ok, là, on voit les... Oh là là. Là, on voit les compatibilités avec... avec qui je peux offrir. Sauf que elle est déjà niveau 2. Donc, autant lui offrir un truc que pour elle. Donc le magazine de mode rumeur. Bah tiens, je te donne ça. Ces vêtements sont trop beaux, voilà, maintenant j'ai envie d'aller faire du shopping. Voilà. Nagi a été envoyé à l'hôpital et Naomi, je sais que tu viens de t'enrôler, mais tu as déjà beaucoup souffert. Bah du coup, je vais t'offrir ça. Ah mais elle est encore niveau 2, ma pote, là. Après, peut-être que ça, on peut les crafter. Vas-y, je te le donne. Oui, il doit y avoir une barre d'XP planquée. Merci. Un emplacement de supplément était ajouté pour Kagero. Ah mais non, c'est juste des emplacements de supplément. J'ai voir la boutique. Je vais aller voir la boutique après. Bon, Hinata, qu'est-ce qu'il y a là? Les secours ont dit qu'ils emmèneraient Nagi à l'hôpital de la BEA. Il a dû y être admis. J'arrive pas à lire. Étape de relation. Tsugumi, chotto ima hanashite mo ii ka? Hanashi? Ii kedo. Moshikashite isogashikatta ka? Nara betsu ni ato de ii yo. 違うの、大丈夫。ただ心の準備ができてなかったから。ダメ、c'est vraiment Hinata quoi。ごめんなさい。いや、そんな全然謝ることじゃないって。俺の方から話しかけたんだから、こっちこそごめん。でもやっぱりごめんなさい。そんなに謝らなくても。私。雑談とか苦手で、どうしても言葉が出てこなくてすぐ黙っちゃうし、私と話すと嫌な気分になるだろうって思ったら、つい謝らなきゃって。別に俺は全然嫌な気分になんかならないから。だから気にしないでゆっくり話してくれよ。あっ、
ありがとう。そういえば、何か用事あったの？ああ、用事ってほどのことでもないんだけど、前につぐみが海抜群本部の花壇に水やりしてるのを見たからさ、花とか植物とか好きなのかなって聞いてみようと思ってたんだ。うん、ガーデニング趣味だから。子供の頃からいろんな植物育ててる。へえ、面白そうだなガーデニング。そういえば俺ん家の庭もいろいろ植えてあったっけ。ユイトの家の庭広そう。確かに手入れは結構大変そうだったかな。最近は割と放置されてるし。もったいない。だよな、昔はもっといろんな花が咲いててさ、見て回るの結構好きだったのに。あ、ユイト植物好きなの？え？あ、まあどっちかっていうと好きかな。自分で育てたりはしたことないけど。どんな植物好き？やっぱり花とか、それとも観葉植物？大きい木もかっこいい。Sans mauvais sous-entendu, évidemment. Alors, qui est-ce que tu as dit? Ah, そういえば昔庭に植えられてた白い綺麗な花があってさ、その花がなんとなく優しい感じで好きだったな。すぐに枯れちゃって短い間しか見られなかったんだけど。花の名前わかる？それがわかんないんだ。その花を植えてくれた庭師のおじいさんもだいぶ前に辞めちゃってさ。あれ、つぐみ、どうしたんだ黙り込んで。私その花見つけられるかも。え、そんなことできるのか？うん、植物のことを調べるの得意だから。もっと情報があれば早いと思う。情報ってつまり花の特徴ってことだよな。確か庭で咲いてたのは冬の時期だったと思う。うん、他には見た目も詳しく教えて。見た目は花びらが小さくて、メッセデュサクワ、少し尖ってて先の方だけちょっとピンクなんだ。葉っぱは丸くて細長い感じで、こう下から囲むように生えてて、大きさはこのぐらいで。伝わるか？大体わかった。あとは花びらの数覚えてる？細かいことだから難しいかもしれないけど。自信ないけど6枚ぐらいだったかな。いや7枚かも。うん、7枚だ多分。ユイトよく覚えてる。それだけ聞ければ十分。調べてみる。名前分かったら教えるから。ありがとうな、mais c'est évident. 俺もあの花がまた見られたらすごく嬉しいって。おい、つぐみ？違う、こっちは必進系、もっと小さい輪生の。聞こえてないみたいだ。よっぽど植物のこと好きなんだな、つぐみ。熱中してるみたいだし、そっとしておこう。Et je suis absolument pas un expert en plantes, et pourtant je l'ai reconnu. Bah, c'est une plante emblématique du Japon. Désolé, quoi? Un cola, c'est le pied. Après une dure journée de labeur, tu devrais te détendre et boire un coup. Toi aussi, tu peux prendre une de mes boissons. Le mot cola suffit à me rappeler le concours de nourriture. J'ai l'impression que ça me remplit le ventre, mais je suis ravi de te voir heureuse, Arashi. Ça va peut-être te paraître bizarre venant de moi, mais tu dois rester ferme. Fais attention à ne pas te faire piéger.
Ok. Désolé pour la dernière fois, je n'écoute plus rien quand je suis concentré. Je ne m'étais pas rendu compte que tu étais parti. Je vais trouver ta fleur préférée, ne t'en fais pas. J'ai peut-être une piste dans mon journal d'observation, tu verras. Ne t'en fais pas, merci de te pencher là-dessus pour moi. Tu as un journal d'observation pour tes plantes. J'aimerais bien y jeter un œil un de ces jours. Bien sûr, personne ne m'a jamais demandé ça. Très bien, la prochaine fois alors. Soit. Alors, on va checker vite fait la boutique. Je veux voir si en fait il y a moyen de. Putain, et l'autre, je lui ai offert. L'autre, je lui ai. Le mec qui donne l'invisibilité. Donc, le mec le plus osef tiers. Je lui ai donné un emplacement. Ok. Déploie une barrière isolante autour de l'utilisateur. Ah mais c'est bien ça, du coup ça m'immunise contre l'électricité. Oh là là, oui. Attends, échanger. Ah. Poète, 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 poète. Ok, je pourrais lui faire une arme. En fait, elle utilise un flingue. Ah, mais je peux leur faire des armes. Attendez 2 secondes, pousse. Non. Ok, ça c'est mon groupe du coup. En fait, je veux voir si j'ai moyen de leur donner des armes. J'ai pas d'armes à leur donner? Ok, bon bah du coup je vais les booster. Déjà on va faire ça. Élimination de type pâte. Ah, il m'en manque un. Ah, mais d'accord, il me faut celle-là pour ensuite faire celle-là. Ouais. Ah, on peut faire une liste de souhaits. Pas mal. Vas-y, 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 vas-y. On leur fait des armes. Mais je peux avoir ça aussi via les échanges. Bon, ça coûte cher. Ah, ça, remarque, non. Bon, je pense pour l'instant, je les fais pas. Si je peux juste booster les armes, ça me va. Ok. Les flingues, c'est pour la clairvoyante. C'est pour Hinata. Bon, alors du coup, moi, j'ai envie de faire un truc. C'est d'aller dans la première map. Donc, Muzubi. Ah non, Muzubi, c'était l'intérieur du restaurant pour la quête cachée. Ouais, mais avant ça... J'ai envie de recroiser les ennemis, certains ennemis, pour valider les défis. Parce que les ennemis huileux, je dois les défoncer avec des techniques de feu. Et les ennemis basiques, là, avec les plantes, là, je dois faire des éliminations aériennes. Et j'ai envie de valider ces quêtes.
Donc je sais pas si les ennemis ripop. J'y ai pensé très très fort avant de lancer le jeu, hein, à ça. Oh mais en plus les objets ripop, c'est incroyable. Alors ça clairement, c'est pas ça qui m'intéresse. On est au bon endroit? On est au bon endroit? Ouais, t'inquiète. T'inquiète, j'y pense très fort à tes pouvoirs. Pas autre chose, hein. On n'est pas au bon endroit. Bon, moi je pense que c'est mort. Hein. Je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Non. C'est les pattes floraux que je dois défoncer. Les pattes floraux, c'est c'est les ennemis de base, quoi. C'est les pots de fleurs là, enfin les pots de fleurs sur pattes là. Non mais c'est pas là. Vas-y, je ramasse ça et on se barre. Putain mais c'est dingue ça. Ah oula. Mais c'est quand même dingue que... Ah, au centre d'entraînement peut-être. Au centre d'entraînement, il y a moyen que je croise des pots de fleurs s'il y a les... Hein ? Quel est cet endroit ? Je suis jamais venu. Quand j'ai posté des rumeurs sur l'autre supérieur de la dernière fois sur Psynet, j'ai eu un rappel alors du gouvernement. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas du tout là. Ah! C'est peut-être plus ça déjà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la zone du début. Ok. Bon, j'en ai fait un sur deux, je pense. Voilà, c'est cela. Pas de flora là, c'est ça. Non ! よし、偉大なターゲット撃破。まだいるから、次も頑張ろう。来い。お願いユイト。うまく火をつけたな。
Ah mais c'est vrai que j'ai... Attends, mais je crois que c'est vrai que j'ai les coups spéciaux... J'ai les coups spéciaux avec les nouvelles attaques. C'est bon. Oh, et du coup, c'est une nouvelle arme pour elle. Non. Non, non, bah oui, non. On va pas valider. Ok. Eh oui, les gelées allégées pour tout le monde, je suis déjà à fond. Eh ben nickel, ça m'a débloqué... ça m'a débloqué une arme. Bon, ben voilà. Alors oui, par contre, attendez, faut que je check un truc. C'est ça, il faut que je maintienne triangle dans les airs. Oh, mais du coup, ça m'ouvre tellement de combinaisons. Ça a l'air fort. Je l'ai fait sans le vouloir en plus. Bon, faut aller à Muzubi. On a plein de quêtes. J'aime les quêtes. Vous n'avez pas eu mon message? Si vous l'avez vu, j'aimerais vous demander quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Code. Le code, c'est le code. C'est correct. Alors, vous pouvez prendre ça. Ne m'en foulez pas de vous tester ainsi. C'est un travail très important, alors je voulais demander ça à quelqu'un qui semble en avoir le courage. Vous avez l'air d'un très bon choix. Ce que j'aimerais vous demander est une faveur de la part de Mimi, une amie à moi qui vient régulièrement chez Muzubi. Ah mais les poissons dans le sol, c'est trop stylé. C'est une journaliste qui venait ici tous les jours, mais je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis une semaine. Elle est déterminée et passionnée par ce qu'elle fait, mais elle a parfois tendance à exagérer. Je me suis dit que c'était le cas... quand elle m'a dit qu'un assassin l'a traqué. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en danger pour autant, je m'inquiète de plus en plus chaque jour. J'ai donc décidé de vous demander la faveur qu'elle voulait demander à la BEA avant sa disparition. Je vais vous envoyer son dernier message. Pouvez-vous essayer de savoir comment elle va pendant que vous vous occupez de sa demande? Elle n'a pas de famille, alors si elle a des ennuis, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider. Pour ma chère amie, s'il vous plaît. Code caché. Un code servant à répondre à la demande de Mimi est caché dans chaque épisode de la série Scarlet Nexus. En regardant la série pour trouver et déchiffrer les codes, vous pouvez obtenir les mots de passe textuels des fichiers secrets que Mimi a laissés. Vous devez donner ces mots de passe à Muzubi dans le jeu. Donc faut regarder la série ? La fonctionnalité la plus méta que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Il faut regarder la série animée pour avoir les codes dans le jeu. C'est incroyable. Ok. C'est Muzubi de chez Muzubi, votre échappatoire du quotidien. J'ai les instructions de Mimi pour vous. Ces données étant sensibles, elles sont divisées et protégées par mot de passe. Il vous faudra les mots de passe pour les transférer en sécurité, mais je ne les écris pas ici. Il y a peut-être les codes sur Google. Non mais franchement, j'ai envie de jouer le jeu et de choper la série pour regarder et choper les codes. Ah parce que du coup, ça te fait décrypter les épisodes de la série, quoi. Putain, quel enfer.
Après tout, ce message peut être intercepté. J'ai donc caché des indices, des mots de passe dans certaines scènes. C'est crypté, mais ça doit être facile pour la BEA, non ? Récupérez toutes les données et vous pouvez les révéler au grand public. Dénoncez l'organisation au monde. Une dernière chose importante, il faut que vous meniez à bien cette tâche. Peu importe ce qui m'arrive, protégez ces données et dénoncez les méfaits de cette organisation au monde. Même si l'organisation essaie de vous arrêter, n'abandonnez pas. Vous avez accepté cette tâche, alors promettez-moi que vous allez transférer ces données coûte que coûte. Voilà ce que Mimi a dit. Je sais où est le serveur. Pouvez-vous regarder la scène, trouver le code et me donner le mot de passe ? Vous devez d'abord trouver le code dans la scène, alors commencez par là. À vous de jouer, je vous attends chez Muzubi. C'est incroyable. C'est incroyable cette fonctionnalité. Putain, je trouve ça incroyable. Comme ça, ça te force vraiment à... Enfin, en fait, c'est une sorte de merchandising... Enfin, dérivé, quoi. C'est incroyable. À travers le jeu, c'est ultra méta. Putain, je suis en train de voir un truc depuis tout à l'heure qui me perturbe énormément, en fait. Ah ben voilà. Le drame. Ouais. C'est bien et honteux à la fois, j'avoue, mais j'accepte. Surtout que là, du coup, ça te vend quand même un manga. Donc, en sachant que le jeu, voilà, c'est de l'action, y a des monstres et tout, donc ça ne peut être que bien. Ah, c'est incroyable. Je suis sur le cul. Je veux juste aller voir si on a des quêtes à déclencher. Oh, j'ai eu un peu de perte là sur le stream, dis donc. Oui, on a une quête là. Micro perte, hein. Une quête. Je fais partie des troupes de soutien qui soignent les soldats blessés, mais je suis incapable de combattre les autres à apparence humaine. Surtout les Lamis. Je sais qu'en tant que membre de la BEA, je ne devrais pas ressentir ça, mais... Désolé. Mais pourriez-vous vous occuper de ceux qui ressemblent à des humains ? Vite, s'il vous plaît, je veux réduire leur nombre. Mais les Lamis, en plus, c'est les grands sur pattes, là. Ah, lors d'une poussée cérébrale, battez 5 ennemis de type Lamy cordial. Ah ouais, mais pendant une poussée cérébrale ? Ouais, mais alors là, par contre, ça va être long à faire, ça. Hein. Ça va être long à faire, ça. Parce que ça, il faut que j'active mon power-up. Non, ça va être trop long. En plus, j'ai pas débloqué les paires qui me permettent de booster la régène de ça. Donc au pire, ça attendra. Vas-y. On va avancer dans le scénario. Je pensais vraiment pas que... on aurait le temps. Non, mais c'est cool. Ok. Allez, le scénario. Attends, la télé. Une invasion d'autres a eu lieu à Suo malgré les prévisions qui faisaient état d'un niveau de menace nul. Les autres ont rapidement été éliminés par les gardiens écarlates et grâce à la réaction rapide des forces de défense nationale, on ne déplore aucune victime. Cependant, le ministère des autres a publié un communiqué sur ce regrettable incident dans lequel il s'engage à tout faire pour améliorer la précision du système de prévision. Très bien. セト隊長は? 少し前にスオーに戻ったよ。
俺は仕事で戻るが、お前たちは呼び出しがあるまで好きにしてていいぞって。おっと、残念ながら自由行動終了のお知らせだ。瀬戸正体に招集がかかったぜ。やれやれ、お上が働けときたか。用意はいいか、ユイと花火。ああ。私も大丈夫。大丈夫にするしかないものね。だな。海抜群にいる限り、こういう別れは必ずある。乗り越えるしかない。そうだな。Putain, mais du coup, en fait, ça se trouve, faut farmer les anciennes maps pour looter des objets pour donner aux potes. C'est horrible. Nagi, itsu tainin shita nda? Itte kurereba mukai ni itta no ni. Eh? Ah, kesa kyū ni tainin ga kyōka sareta nda. Ore mo. Jō tainin sōsō yōbi dasare chimatta tte wake ka. Tsuite nē na. Demo.この間の配置化軌道の任務の後からずっと入院しっぱなしだったよね。もう怪我は大丈夫なの？おかげさまでな。体がなまっちゃってるから出撃命令が出てよかったよ。待たせたな、みんな。お、ナギ、今日から復帰か。無理するなよ。はい。さてと、今回はカレン連隊長からのご指名だ。ああ、bon, y retourne。区など高速輸送道路に怪異予報が発令されたらしい。今回もスリーマンセルで行くぞ。俺とナギ、つぐみが第一班、カゲロウ、ユイと花火が第二班だ。区など高速輸送道路には最近多数の国防軍が出撃している。あっちは軍隊といえども所詮一般人だからな。怪異との戦いに巻き込むわけにはいかない。もし見かけたら距離を取るよう警告してくれ。それじゃあ、クナド高速に向かうぞ。Yes。ナギ、大丈夫か？ん？怪我のことなら大丈夫だって。違うよ。あの、ナオミのこと。ああ、そりゃ。ナオミちゃんが戦死したのはショックだけど、でもいつまでも落ち込んでいるわけにはいかないからな。え？戦死？ナオミは生きてるぞ。は？ユイと、笑えない冗談言うなって。え、いや、そりゃあの怪になった状態を生きているっていうのは変な感じもするけど、でも確かに生きているんだし、もしかしたら元に戻すことも。怪異になった？ユイト、お前寝ぼけてるのか？え？出撃前に変なこと言うなよ。俺たちはこれからニューヒムカのために怪異と戦うんだ。ナオミちゃんが死んだことを受け入れて前を見なきゃだろ。ほら、行くぞ。ナギのやつ、どうしちまったんだ？ J'avoue. Salut Apache. Comment tu vas? Yes! Bah l'autoroute, on y était la dernière fois en plus. Ouais. Oh, tout le monde le kiffe, Nagi. Moi, il m'énerve un peu. Oui, ça va. Ça va, ça va. On a commencé un peu tard ce soir. Parce que, voilà. Un milliard de plots d'affaires. Bon, on y va direct. Hein. D'où elle est morte en combat? Non, mais elle est pas morte, mais bon, elle s'est fait transformer en un truc dégueulasse. Donc, il y en a certains, je pense, qui considèrent que quand quelqu'un se fait transformer, il est considéré comme mort. Ah, peut-être un lavage de cerveau, ouais. Putain, pas con. J'avoue qu'il était en mode un peu trop happy.
Tralali, tralala, tout va bien. C'était nul, tout ça pour ça. L'ami de cuisine. Ah, c'est comme dans Quel le survivant en français. C'est couteau de salle à manger. C'est une beurre. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Bon, je prends toujours quelques claques, hein, mais c'est pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Bam! Ah oui, il faut charger pendant 1000 ans à peu près. Intégrale Ninja Gaiden Sigma. Attends, oh. Le 1, 2 et 3, je suis replongé 10 ans en arrière. Ninja Gaiden, c'est une licence à côté de laquelle je suis complètement passé. Mais je connais un peu de loin, quoi. Mais il paraît que c'est pas mal, là. Mais il y a quelques franchises comme ça où j'ai toujours eu un peu de mal. Genre les Onimusha, j'ai toujours eu du mal. Alors que c'est super stylé, hein. J'adorais regarder du let's play de Onimusha. Mais c'est vrai qu'à jouer, quel enfer. Surtout que j'étais jeune quand même pour du Onimusha. Donc Onimusha, c'est... C'est PS1, PS2 quoi. Jamais il est à 25. Ouais, alors le truc c'est que là la bullet production a investi déjà 150 balles ce mois-ci en jeu vidéo. Donc je vais me calmer un peu. Eh ouais, parce qu'il y a eu... bah non, même pas, je dis 150 balles, mais non, même pas plus. 165 à cause d'Amori qui m'a fait racheter Stardew Valley. C'est la fin à saucisse. Et oui, Amori qui m'a fait racheter Stardew Valley. Alors j'ai une PS5 sur laquelle je peux y jouer. Merde, c'est raté. Yeah. 狙えるぞ。
調子で行こう。油まみれの相手にはもちろん火だろ。Elle, on a pris. On a précommandé Battlefield, là, ça, la version à 100 balles, là, de gros Yankee, là, pour que ma femme puisse y jouer sur sa PS4 aussi. On a pris Scarlet Nexus à 40€. J'ai repris. Alors, ça, c'était vraiment clairement juste. C'était juste histoire de le revoir le jeu, parce que il y a très très longtemps à sa sortie on avait Dragon Ball FighterZ que j'avais revendu parce qu'on y jouait plus du tout. Et mais c'est un jeu que j'aimais beaucoup, c'est juste que j'étais une grosse quiche parce que les commandes j'avais beaucoup trop de mal. Mais je kiffe énormément ce jeu, je le trouve juste beaucoup trop stylé. Et là il était à 10 balles, du coup je dis vas-y je le prends comme ça. En plus on a quasiment toutes les DLC avec tous les persos, donc je dis vas-y au moins on l'a, il est qu'à 10 balles. Ça valait le coup. Donc Scarlet Nexus 40, plus Dragon Ball 50, plus Battlefield 150, plus la carte. La carte Nintendo de ses morts, 165. Je joue comme un bourrin. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Des tout belles monstres, j'avoue. Attends, on aurait dit qu'à l'intérieur c'était une figue géante. Par contre, je n'ai pas quitté, je suis dégoûté. Hein. Oh, on dirait une figue géante à l'intérieur. C'est bizarre. Je sais pas où je vais. Hein. Sachez-le. Attends, je suis où là? Oui. Et ouais, et le pire, c'est quoi? Je me tâte à. En fait, à la base, j'étais en mode ouais, Far Cry 6, il a l'air dégueulasse, je le ferai jamais day one. Mais en fait, là, le jeu va sortir dans 6 jours, enfin dans 7 jours. J'ai envie de faire le Yankee. Alors que je sais que je vais être déçu. Mais j'adore Far Cry. Depuis que j'ai découvert Far Cry, je n'ai jamais loupé un Far Cry day one. Enfin, quand je pouvais en tout cas. Ça marche Apache. Eh ben, merci d'être passé. Je te déteste. On a fait un carnage avec la citerne. Incroyable. Ce jeu de fou.
Eh ouais, j'ai tellement envie de faire le Yankee sur Far Cry, mais faudrait pas. Faut pas. En plus, y'a même pas de RTX. Mais bon, c'est soi-disant pour optimiser la 4K 60 FPS. Moi, je dis pourquoi pas. Mais bon. Ah bah attends, mais c'était comme à la zone d'entraînement au début du jeu. Je suis quelqu'un de très généreux. Ça les remet dans tablette là. Ah oui, donc on est à un endroit, on est à l'endroit du tuto. Non. Je me disais bien qu'il reste un connard derrière. Mais Kiki! Mais putain, que ton pouvoir! Mais putain, j'esquive. Je déteste ma vie. Et encore. Il y a un croco. Petit croco Haribo là. Ah mais il y avait un bus. Mais quel connard. Pardon. Ce jeu est trop bien. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai éclaté une araignée dégueulasse cette nuit. Non, parce que j'étais en train de me faire emmerder par un moustique. Donc je pouvais pas dormir, évidemment. Et je cherchais. Et là, j'ai vu une araignée horrible. Juste au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Elle était horrible. Aucune pitié. いただく。いや、はい。いや。この調子で行こう。バブ。狙えるぞ。
Ouais, non, mais là, elle était vraiment dégueulasse. Et autant, bon, y a des araignées, je peux tolérer, tu vois. Non, mais vraiment? Non, en vrai, il y a certaines araignées. Bon, même si je suis un peu arachnophobe, je peux dire, bon, allez, vas-y, si tu veux. Mais elle, non. Juste elle, c'était pas possible en fait. On pouvait pas exister sur la même planète, elle et moi. C'était juste pas possible. Ah oui, non, elle était balèze, hein. Non, mais ça aurait été une petite faucheuse, je dis pas. Il y en avait une d'ailleurs, je sais pas où elle est passée. Parce que il y avait une faucheuse qui était juste là. Qui était dans le coin là. Et elle, ça faisait des mois qu'elle était là. C'était une chasseuse de mouches. Franchement, mais limite, c'était bon, un de mes animaux de compagnie, cette araignée. Parce que, genre, même quand je passais l'aspirateur, genre, je faisais gaffe de pas l'emmerder pour qu'elle reste là. Mais il y a eu un moment donné, j'avais genre 3 ou 4 faucheuses dans le salon, parce que c'était l'été. Et bah c'était avant l'été. Et autant les autres, elles servaient à rien, autant elles. Mais le nombre de cadavres de mouches, genre complètement fossilisés là, que j'aspirais, genre en dessous, tellement elles faisaient un taf de ouf. Et vous savez à quel point je suis emmerdé par les mouches. Hein? Ah non, Kaito, le frère qui me dit « On m'a dit qu'un de tes coéquipiers était tombé au combat, ça a dû être dur. Ce combat contre un autre supérieur a dû traumatiser, je m'inquiète pour toi. Si tu te retrouves dans une situation critique, contacte-moi immédiatement, je suis ton frère, je ferai tout ce que je peux pour t'aider, compris. » Si elle est un peu grosse, c'est une araignée loup. Mais là, je sais pas. Parce qu'il y a les épères aussi, c'est des araignées assez courantes dans la campagne. Mais c'était pas ça, c'était pas une épère. Et oui, du coup, cette faucheuse là, bon, il y a eu le méga bordel vendredi dernier chez le voisin, donc c'est au niveau du même mur. Et du coup, elle a bougé, elle est allée vers la cuisine, et 2 jours après, je la retrouvais plus. Elle s'est peut-être barrée. Et je suis dégoûté. J'en étais à l'aimer, cette araignée, tellement elle bossait bien. Ah bon ? Mais putain ! Non, bah reviens. Non, je sais pas. Bah, après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'à faire. Hein, donc, ouais. Oh fuck! What the fuck! J'ai renvoyé un projectile! Ça servait à rien? Oh putain, oh putain, oh putain! Non! Putain, mais j'ai esquivé, je te déteste.
Putain, mais Anabi, elle se fait éclater. Ah, se fait éclater Anabi là. Mais bah je sais pas si elle va revenir en fait. Parce que après c'est probable que pendant une nuit où j'ai laissé la fenêtre ouverte, en fait elle est elle crosse tout le plafond et qu'elle soit barrée par la fenêtre. Je sais pas. Bon après j'espère juste pas qu'elle va faire la thug et venir genre avec moi comme si c'était un de mes chats, tu vois. Parce que c'est arrivé avec certaines araignées, j'étais obligé de les éclater forcément, parce que là, bon... Autant une faucheuse de loin, ça me dérange pas, autant si ça commence à venir sur moi, non, je panique. Mais voilà, ce serait cool qu'elle revienne à son spot. Mais le problème, c'est que quand il y a le méga bordel à côté, et ben, vu que les araignées, ça aime pas trop le bruit, les bruits lourds et tout, ben, elle s'est barrée. En plus, elle a grossi. J'ai eu le temps. C'est comme un gosse. J'ai eu le temps de la voir grandir. J'ai eu le temps de la voir grandir au fur et à mesure. En même temps, elle bouffait. Hein. Putain, toutes les araignées. Enfin, toutes les mouches qu'elle a défoncées. Mais c'est malaisant. Hein. Voir une araignée là. En train de jouer avec la vie d'un autre insecte. Un peu malaisant. Non mais elle a, franchement, elle a dû facilement se bouffer une vingtaine de mouches. Hein. C'est 渡る。周囲の海域の様子はどうだ。予報が出た場所とは思えませんね。何かの間違いかな。それに予報の出た場所にしては通信がクリアですね。今海象の予報情報を再確認。どうした、渡る。隊長、囲まれてます。 上か。 あ、 あれ、怪物軍? おい、渡る。俺たち以外にも派遣された隊がいるのか。ダメ。ジャミングされてる。多分、あいつらのせい。瀬戸、俺はまだ信じられない。あなたがあんな凄ましい研究に加担しているとは。あ、やべ、テンカブリ。ゲンマ、何を言っている。それはとぼけているのではなく、本当に知らないのか。 だとしたら今は抵抗せず、一緒に来てもらえないか。ゲンマ、命令に反するのか。カレン連隊長の理想に準じる気がないならお前も。ユイト、瀬戸さん。またみ、what?なぜ瀬戸正体がここに。キョウカ、フォローを頼めるか。ここから離脱したい。そうね。味方同士で戦うなんて馬鹿げてる。ゲンマ、一緒に来い。 お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。しかし、周りの海抜群は僕らが引きつけます。彼らもセプテントリオン2人を敵に回して勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか。 Mais what the fuck? Ça part en couille. Mina, Nissan va beaucoup ni makasete. Amai. Non mais lui il copie tous les pouvoirs, je crois il est trop pété. Hein. まとめてかかってこい。 Bah ouais. 相手をしてやる。 Quoi?
嘘、本当に彼ね、大丈夫と戦うの？え、ウィミ、怪物がナンバーワンで、え、ウィミ、この展開になるとはね。花火ちゃん、しっかりしな。どんな攻撃が来るかわかんねえぞ。Mais il est trop fort。彼ね、大将、どうして俺たちに攻撃を？全部あなたが仕組んだのか？避けられるか？現場に何を言った？答えろ、カレン！見つかねえようにな。知ってどうせ、俺が答えたところで貴様の運命は何も変わらないだろうよ。Oh, il m'a cancel. Le bâtard, il m'a cancel. Ouais, non, mais attends. Mais il est niveau 50! J'ai voulu tester un truc. Mais non, mais y'a pas moyen. Y'a pas moyen. この力とはこういうものだ。今だ。どけ。やっ。やっ。はっ。はっ。よし。絶対もしよ。それ。まだまだ。どけ。とか。あ、消える。まだやれるよな。ありがとう。だらけだな。これはどうだ。やっ。Ouh! Ah bah rip! Naruhodo. Konkai wa sukoshi chigau na. J'ai failli crever, hein. Daga! Mazui! Minna yoke! Mais utilise ton pouvoir du vent, non, au pire? Nage! Putain, c'était super stylé, mais what the fuck, comment c'est parti en couille d'un coup? Genre l'autre qui débarque en mode ouais, viens avec moi, on va s'expliquer, puis l'autre qui arrive, et... non mais what? Mais what? Enfin bref. La pause. Des bisous YouTube. Pourquoi je perds des frames? Je vais essayer de découvrir ça tout de suite. On s'envole vers d'autres cieux, j'avoue. Des bisous YouTube. À très bientôt.